Oh là là, regardez ça. Ça, c'est beau. Alors Flo, qu'est-ce que t'en penses de ça là? Ah, c'est trop stylé, hein, Trop stylé, hein? en plus il est optionné comme je l'aurais optionné quoi, la caisse à champagne, la fumée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je vous souhaite bonne année et merci de vous être tous abonnés l'année dernière, ça fait vraiment plaisir. Donc pour cette année 2021, il va y avoir un nouveau gros partenariat Hot Cover à l'Escar avec Christophe. Bonjour. Donc sur ce partenariat, il y aura beaucoup de covering. Donc on n'a pas fait de covering l'année dernière. Là, c'est l'occasion de démarrer à vous présenter cette nouvelle façon de recouvrir la carrosserie. Nouvelle peinture, tout ce qui tourne autour du covering. Donc il va bien vous expliquer Christophe, comment ça se passe. Et son très gros projet de fin 2020. Exactement. Fin 2020, on est arrivé à 600 prépas puisqu'on existe depuis 7 ans. Donc Ragnarok, un Rummer H2, 6 litres de cylindrée, 350 chevaux. Il est arrivé jaune, il est entièrement recouvert. Donc c'est un véhicule qu'on a entièrement restauré. Il est entièrement recouvert de vinyle 3M, Avery Dennison, avec du réflectif, puisque le blanc s'allume la nuit. Avec mon équipe, on a rajouté à l'intérieur un frigo avec des bouteilles de champagne, consommer avec modération évidemment. Voilà. Voilà, une rampe palette sur le toit, des néons sous la voiture, une machine à fumer pour faire très américain. Et voilà, c'est une voiture avec laquelle on se bat à droite à gauche pour faire valoir un petit peu l'image de la société Hot Cover qui existe depuis 7 ans. Voilà. Donc t'as ça, ce projet en gros c'est made in USA avec du covering. Ouais voilà, on a vraiment le Hummer, la 500e c'était une Lamborghini, on voulait vraiment faire quelque chose de différent, de très atypique. Et quoi de mieux qu'un Hummer américain pour faire quelque chose d'atypique. Donc l'idée c'était vraiment de caler dans un truc complètement ouf et les requins on sait qu'ils sont nos limites. Voilà. Donc on est parti sur ce principe là et voilà, on a fait vraiment un véhicule vraiment hors norme, hein. Tu l'as vu, on s'est baladé avec des gens, vraiment ça passe pas inaperçu, c'était vraiment l'objectif. Puis c'est une très très bonne vitrine pour l'entreprise. Ouais. Voilà. Donc là en gros il va vous expliquer un peu comment ça se passe, parce qu'en fait c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un film avec tous ces reliefs déjà pré-imprimés. Il va vous expliquer. Exactement, donc c'est vrai qu'il existe deux technologies de covering, hein, soit l'imprimé, soit le tintémas. Nous, on a fait le choix de travailler avec du tintémas parce que la durée de vie est beaucoup plus longue. En moyenne, c'est 7 ans. C'est quoi, c'est la tintémas, c'est... Tintémas, en fait, c'est que le bleu, c'est pas l'imprimé. Voilà. Ce n'est pas du jet d'encre, il est vraiment fabriqué comme ça. Donc, mais comme je vous disais, à la base, il est jaune, donc on l'a fait en deux fois. Hein. Donc, il y a un raccord du bleu jusque-là, en fait, avec le shadow. Le shadow, donc, c'est ce qui donne cet effet camouflage. Ouais. Donc, on est parti une partie de bleu, après une partie de shadow. Et après, par-dessus, on est venu vraiment dessiner sur mesure. On a fait tous les petits trucs, toutes les petites étoiles, tout est fait pièce par pièce. Voilà, c'est très artisanal. C'est comme ça qu'on travaille. Pour après un résultat comme ça quoi. Là en temps de travail pour ce projet. Pour ce projet là en fait j'ai arrêté de compter à 200 heures parce que en plus de ça c'est un véhicule qu'on a entièrement restauré, c'est ce que je te disais tout à l'heure, puisqu'on a repeint des parties, on a repeint les jantes, on a changé les pneus, on a vraiment c'était un véhicule qui était vraiment malade quand il est arrivé, il était fatigué, on l'a eu au mois d'août, on l'a sorti juste avant les fêtes de fin d'année, mais on l'a entièrement restauré avec toute mon équipe. Donc oui, voilà, il y a 200 heures de taf là à peu près. Ouais. Et une prépa classique pour un covering Un covering standard aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on me demande beaucoup, je vais dire une voiture type Mégane, Focus, voilà. Etc. C'est à partir de 2000 euros le complet. D'accord. Et en heure de manœuvre On garde le véhicule 15 jours. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Ouais, on démonte la voiture de A à Z. Si vous l'amenez un jour une voiture chez Hotcover, vous n'en avez pas pour 6 mois. Vous avez quelques semaines. On a un petit peu de délai, ouais, parce qu'on est... On a beaucoup de travail, hein. on a fait 130 prépas en 2019, en 2020 pardon. Là on est déjà en lice pour la 700e, c'est trouvé, voilà, le concept est déjà trouvé, je peux pas vous en parler encore. Voilà, restez connectés et allez vous abonner si vous voulez voir la suite, c'est important. Et donc la 700e c'est déjà dans les tuyaux, ça devrait être je pense aux alentours du mois d'août. D'accord. Donc pour une présentation en septembre 2021. Bon, on sait très bien, c'est une année très atypique et depuis 2020, qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, on est déjà en lice là-dessus. On
on peut pas en parler pour l'instant, mais c'est déjà dans les, tuyaux. Mais voilà, aujourd'hui pour répondre à ton questionnement, on a toujours un mois et demi de délai. Et un véhicule, quand on fait un complet, c'est à peu près 10 jours de travail. Ouais, okay. Bah, du coup, on va vous montrer un peu le Hummer, lui, dans l'ensemble. Donc, bah, Nico, si tu veux faire le tour un petit peu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le H2, en fait, c'était le SUV des années 2000 que tout le monde s'arrachait un peu. Moi je fais 1m80 et par rapport au Hummer, déjà il me met encore un peu quoi. Vous voyez comment c'est dedans, c'est en plastique américain et après du gros fauteuil en cuir, mais je vais mettre dedans comme ça vous allez voir déjà pour monter. Voilà. Et encore là les sièges ils sont, et donc du coup siège chauffant avant arrière. T'es Manu, je te prends la cam. Et en fait, ici, là, sur la console centrale, il y a les boutons de chauffe. Et après, à l'arrière, donc là, il y a le frigo à champagne, plus la machine à fumer et la cuve GPL. Voilà, un peu. Ici, il y a une petite télé pour faire, pour mettre son petit film. On va en parler tout à l'heure. Vous verrez. Plus, donc du coup, clim quadrizone au final. Allez. Donc, pour l'avant après. Donc après siège électrique. Vous voyez tout comme ça avec du gros cuir. Je sais pas si vous voyez un peu comment ça absorbe bien. Hop, l'intérieur. C'est que ça nous en Europe on connaît pas trop ce style d'intérieur vraiment très américain. Avec la grosse boîte auto. Airflow. Exactement. Toi tu fais un bon 80. Toi tu fais combien en taille? Un 90. Ouais, un 90. Donc Oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Ouais. Je pense que c'est un truc comme ça économique qu'il te faut au quotidien utilisable pour passer à 40 litres au 100 du coup. Voilà. Pour aller à la neige. Ah ouais. Toi c'était. En plus ça fait un moment que tu m'en parlais des Hummer toi Flo, que tu voulais. Tu voulais qu'on en fasse un. Oui, le H2 en plus. Ah oui, du coup, ouverture ici. L'ouverture du capot, c'est très spartiate, hein, c'est très lutin, ouais, mais c'est lourd. Hein, donc... C'est inspiré du MV. Alors, je vais vous mettre un peu en hauteur, vous puissiez voir. Celui-ci, il a le système Vortex, je sais même plus. Je crois que s'il y en a dans les commentaires qui veulent nous insulter parce qu'on ne sait pas, allez-y. Et s'il y en a qui ont trouvé, vous pouvez le dire dans les commentaires. Avec la grosse poignée là. Et ventilateur permanent avec le gros visco là. Ça c'est très sympa. C'est par contre pour faire l'entretien là en fait. Faut que tu montes dedans. Ouais. Quand on a changé les bougies et qu'on a fait la vidange, en fait j'ai les mécanos qui montaient là-dedans. Ah ben ouais, carrément. Par choc ici, tu vois. Ah ouais. Ils montaient là en fait, ils venaient là et ils travaillaient directement dans le moteur. Et après le pare-brise très plat quand t'es dedans en conducteur, en passager là, déjà il est pas très grand, il est large mais il est pas très haut. Et en fait on a l'impression que ça fait un peu effet Jeep. Exactement, tu sais quand c'est un vrai 4x4, hein. Ouais. C'est quelque chose qui ça monte vraiment aux arbres. Ah oui là le système blocage du pont arrière. Ah ouais ok, c'est pas mal, on peut verrouiller quand même. Pas mal d'infos. Ah oui, la particularité de ce 4x4, c'est que le train arrière est monté sur coussin d'air. D'accord. Donc suivant les chargements que tu as et suivant si tu tractes ou pas, tu peux monter ou descendre. D'accord. Ou descendre le train arrière en fait. Et il avait déjà les feux automatiques. Ça c'est quand même pas mal, cruise control et tout. Donc boîte auto à convertisseur évidemment. De la prise 12 volts. Ils étaient déjà quand même bien équipés franchement hein, avec les sièges chauffants là ici là, comme Merco sur la porte. Alors là, dessous, pour ceux qui sont un peu 4x4, j'ai vu qu'il y avait deux gros ponts. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Le pont arrière, il est énorme.
crossbar stab. Et là, le gros pare-choc avec les crochets de traction. Ils sont énormes là par rapport à ma mère. Hein. Ouais. Le Hummer d'impôt. La largeur des rues. Du Moyen-Âge, des rues du Moyen-Âge, regarde ça. On va rentrer dans les carreaux là. Je sais pas si vous voyez un peu dans les vitrines. Je pense que un peu plus vous allez vous rendre compte de l'ampleur. Et voilà. Le genre de problème avec eux. Donc en termes d'insolence, on est pas mal. Là du coup en conso-ville on est à un bon 40. 46%. À peu près. Et les enfants derrière, ça va? Tranquille, tout va pour le. Les sièges auto, ça passe? Très bien. Très bien. Très bien. Siège chauffant en plus. Ouais, siège chauffant arrière du coup. On a le champagne derrière là en plus. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Truc très important pour ceux qui souhaiteraient acheter un H2. Le c'est quoi, champagne 75, magnum qu'on peut mettre dedans? Ben, ça, c'est vrai que ça. Ah, le frigo il est pas d'origine en fait, c'est nous qui l'avons rajouté. Merde. On a rajouté un petit frigo 20 litres, en fait tu peux mettre 2 bouteilles de champagne dedans et 4 coupes. D'accord. Ouais. Là les gars, si on veut se mater un petit film, regardez-moi ça. Un petit film hot. Voilà, un petit film hot. C'est ce que je veux dire avec le champagne derrière là. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Ça va se couvrir sur les Pyrénées, tu vois, parce que le pic il est déjà embrumé. Mais... Non, on fait. Il y a allez, 20 cm d'un côté et 30 de l'autre. Hein. 40, allez, même. Donc voilà, on termine avec le Ragnarok.
Donc je vous rappelle, gros projet Code Cover cette année. Allez vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre régulièrement. Et puis voilà, regardez-moi ce côté. Regardez-moi le Ragnarok. Donc du coup, 600e prépa, on le rappelle. Allez, ciao tout le monde, à plus tard. Salut, bye bye. Et si vous vous abonnez les gars, on vous offre le café.